Voilà, ravie de recevoir Jacques Livage, qui en fait était déjà venu il n'y a pas si longtemps que cela à l'Espace des Sciences, quand l'Académie des Sciences nous avait rendu visite. Et Jacques Livage, qui est aussi un ami de notre président, le président de l'Espace des Sciences, qui est aussi un académicien des sciences et qui est ici. Jacques, un autre Jacques, vous appelez les deux Jacques. Les deux Jacques. Hein, voilà, les deux Jacques. Donc, nous sommes particulièrement heureux, Jacques Lucas, nous sommes particulièrement heureux d'accueillir un de tes amis. Et la semaine dernière, le conférencier que nous avions avec nous, qui s'appelle Monsieur Kourilski, nous a dit « Ah, quelle chance vous avez de recevoir Jacques Livage !» Je vous mets la pression, là. Oui, là, c'est dur. Hein. Je ne vais plus oser parler après. Vous allez voir, Jacques Livage a des choses formidables à nous raconter. Alors, vous êtes originaire, enfin, vous êtes né, je crois, à Neuilly-sur-Seine, mais vous avez de la famille en Anjou, je sais oui, tout. Exact. Presque tout. Je sais que vous avez vécu en Tunisie. Quelques années, oui, une demi-douzaine d'années, dans ma toute enfance. Et ça vous a beaucoup marqué, visiblement. Ah oui. Ben, les premières années de la vie, c'est quand même quelque chose d'important. Donc c'était en Tunisie, c'est là où j'ai découvert le monde pratiquement. Alors vous savez, il y a quand même des rencontres qui doivent se faire. C'est assez formidable parce que on est allé à deux ou trois reprises certaines personnes de l'Espace des Sciences à la Cité des Sciences de Tunis, dont le directeur à l'époque s'appelait Khaled Kadira. Et il se trouve que hier nous avons eu un petit coup de fil de Khaled. Il est à Rennes, il n'est plus maintenant directeur de la Cité des Sciences, mais il a un poste encore plus important au niveau de la recherche scientifique là-bas à Tunis. Et il est des nôtres ce soir, il est venu assister à cette conférence. Et alors, coïncidence, voilà, tout à coup, on s'est aperçu qu'il y avait des accointances entre vous. Deux Tunisiens qui se retrouvent. Deux Tunisiens qui se retrouvent et c'est une jolie rencontre, voilà. Alors, vous avez fait des études de chimiste à l'école de chimie de Paris et puis ensuite vous êtes parti à Oxford pour étudier la résonance paramagnétique électronique. Alors je ne suis pas une grande scientifique, je ne suis même pas scientifique du tout, mais c'est de la physique ça. C'est de la physique, effectivement. Ça c'était après ma thèse. En 1968, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Vous avez passé votre thèse en 1968 ? En 1966, exactement, ah, oui. Et donc un peu après, je suis parti en postdoc à Oxford parce que j'avais envie de faire de la recherche et c'était un domaine qui n'était pas développé du tout en France. Donc j'ai décidé d'aller là-bas. En plus, ce n'est pas très loin de la France, donc... S'il y avait eu des problèmes, je pouvais revenir rapidement. Oui. Alors, ce qui est assez étonnant dans votre itinéraire, c'est que vous avez été aussi, pendant vos études, journaliste scientifique. Oui. Alors, pendant ma thèse, exactement. Et après ma thèse, disons, en gros, des années 60 jusqu'à fin des années 70, en fait, je n'étais pas affecté à un laboratoire de recherche. Donc, je faisais de la recherche comme ça, sur la paillasse, avec le matériel des étudiants. Et le reste du temps, plutôt que de rien faire, j'ai eu l'occasion d'être journaliste et de travailler en particulier pour l'Usine Nouvelle, puis ensuite pour le journal La Recherche et puis pour Le Monde, en pigiste, hein, c'est-à-dire bien sûr pas à temps plein. Et c'est grâce à cette activité de journaliste que j'ai pu me payer le luxe de partir en postdoc à Oxford. Ah ouais. Puisque partant faire de la recherche en Angleterre, l'université française m'a dit « on ne vous connaît plus, on ne vous paye plus ». Et quand vous êtes revenu ? Ah ben quand je suis revenu, non, j'étais quand même fonctionnaire, donc j'ai repris mon salaire quand même. Mais pendant un an, non, je n'ai rien eu du tout. Je crois que quand vous êtes revenu à Paris, justement, vous avez intégré un laboratoire connu, je vous laisse le dire. Ben là, j'ai quand même essayé de rejoindre un laboratoire de recherche, des structures où on pouvait faire de la recherche. Et c'est là où j'ai eu la chance de pouvoir entrer dans le laboratoire du professeur Colong, qui était un des pionniers de la chimie du site de l'époque. Et je crois qu'il vous a demandé... Il m'a demandé, comme on demande toujours quand quelqu'un arrive, combien vous coûtez, c'est-à-dire combien dépensez-vous par an. Ben, je lui dis rien, je n'ai jamais rien dépensé. J'ai utilisé le matériel des TP des élèves, mais je n'ai jamais eu de budget. Maintenant, c'est fini, hein. J'ai changé.
Vous avez intégré l'Académie des sciences dans les années 2000 ? Alors, dans les années 2000, juste après ma nomination au Collège de France. Je pense que la grande aventure pour moi, ça a été le passage au Collège de France, qui est une institution absolument extraordinaire. C'est formidable que vous nous disiez ça, parce que Philippe Pourisky, la semaine dernière, nous disait exactement la même chose. Il parlait avec beaucoup, beaucoup d'enthousiasme de ce Collège de France et de ce qui s'y passe. Non, c'est une institution tout à fait extraordinaire qui, a 6 siècles maintenant, a été créée par François Ier en 1530. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est déjà qu'on est peu nombreux, mettons 40-45, et on représente toutes les disciplines. Alors, discipline scientifique, bien évidemment, mais aussi littéraire, artistique, l'architecture, l'histoire, enfin, tout ce que vous voulez. Donc, on est peu nombreux, on se voit souvent. Et par conséquent, on peut, par exemple, Philippe Pourisky, qui est biologiste, oui. Je le vois quasiment tous les jours, on déjeune quasiment ensemble tous les jours, on peut discuter et avoir donc des relations très étroites avec des gens qui sont dans des domaines complètement différents. Et je veux dire qu'à l'université, on ne pourrait jamais se rencontrer. Oui, donc c'est presque le seul endroit où les scientifiques de différentes disciplines... Ça doit être à peu près, sans doute en France, le seul endroit où vous avez une telle pluridisciplinarité. Alors ensuite, le deuxième aspect qui est quand même très intéressant, c'est qu'on donne des cours, et les cours sont totalement gratuits, ouverts à tout le monde. Il n'y a pas de droit d'inscription, il n'y a pas d'examen, les gens viennent s'ils ont envie. Peut-être un peu comme vous ce soir. Et s'ils n'ont pas envie, ils ne viennent pas, et s'ils ont envie, ils viennent. Et ça c'est formidable. Et c'est n'importe quel public. Hein. Ça peut être des professeurs, ça peut être des manœuvres dans un chantier. Alors, il n'y a pas de sélection. Là, je vous le dis en confidence, personne n'écoute. Ce n'est pas n'importe quel public. C'est un public formidable. Je vois, oui. Non, mais enfin, c'est un peu le même principe. C'est un enseignement qui est ouvert à tout le monde, et ce, depuis François Ier. Hein. Alors, juste pour en revenir à vos années de journaliste, c'est vous qui avez inventé ce terme de chimie douce. Exactement, oui. Vous pouvez nous expliquer un peu. Alors, c'est un terme que j'ai inventé dans un article que j'ai écrit dans Le Monde, le 26 octobre 1977. C'est mon anniversaire, le 26 octobre, donc je m'en souviens. En fait, c'était au moment des chocs pétroliers, hein, des remises à jour du problème du pétrole, etc. Et en tant que journaliste, je me suis dit, il y a quand même quelque chose qui est amusant. Vous vous promenez dans une forêt, c'est superbe. Vous allez dans une cimenterie, c'est affreux, il y a de la fumée, etc. Mais en fait, ces deux systèmes font la même chose. Ils récupèrent des matières premières, c'est de la photosynthèse pour la forêt, c'est du ciment pour la cimenterie ou du pétrole, etc. Ils font la même chose, mais pas du tout dans les mêmes conditions. Donc ça veut dire que la vie est capable de fabriquer tout ce que nous, on fabrique, mais dans des conditions, ce que j'ai appelé de chimie douce. En gros, c'est à température ambiante, dans des conditions ambiantes, dans l'eau, etc. Et donc, j'ai appelé cet article chimie douce. Et en fait, ce terme de chimie douce, il est même utilisé dans les pays anglo-saxons ? Alors, je dirais qu'il est peut-être même plus utilisé dans les pays anglo-saxons, y compris Japon, Chine, etc., qu'en France, où les collègues français aiment bien mettre « soft chemistry », you know, it's much better, it sounds much better. Ça fait mieux hein, de parler anglais. C'est pour ça que j'ai été très heureux il y a quelques années de recevoir le prix de la francophonie pour ce terme. C'est un joli prix pour ce terme. Et alors, quand on parle maintenant, alors c'est vrai qu'en France, on parle un petit peu moins de chimie douce que peut-être de chimie verte. Oui, le terme chimie verte, bon, bah, derrière, vous avez toute l'écologie, les verts, etc. etc. Hein. Il y a tout un mouvement. Ce n'est pas fondamentalement différent. Hein. C'est quand même de la chimie qui est inspirée de la nature, du vivant, de la biologie. Alors, je pense que la chimie verte, c'est quand même plus du côté, je dirais, chimie organique, biologique, etc. Chimie douce, c'est peut-être maintenant plutôt du côté des matériaux et des choses comme ça, hein. Si je veux différencier un petit peu. Alors, en fait, ce soir, vous allez nous faire une conférence sur un thème qui n'est pas du tout, enfin, qui n'est pas votre thème, qui n'a pas été votre thème de recherche. Exact. Ben, ça, c'est parce qu'au Collège de France, on fait cours donc, tous les ans, et tous les ans, on doit changer de sujet. On n'a pas le droit de dire deux fois la même chose. Donc, au bout d'une dizaine, quinzaine d'années, vous cherchez un petit peu, et des horizons nouveaux, et... Bon, j'avais une époque, j'ai choisi la couleur, qui est un sujet absolument extraordinaire. Je ne sais pas
si vous en penserez la même chose après l'exposé. Hein. Mais bon, c'est un sujet où il y a tout un tas de facettes tout à fait passionnantes qui concernent aussi bien, évidemment, l'art que la science, la technologie, la biologie, la chimie, la physique, etc. Enfin, c'est un thème pluridisciplinaire. Alors, tout à l'heure, moi, je crois que vous ferez revenir parce qu'on a discuté et c'était tellement passionnant. Je vous ai emmené voir l'exposition Fourmi de l'espace des sciences tout à l'heure. Et on a parlé du coup de biomimétisme et de bio... Inspiration. C'est pas tout à fait la même chose. Non, non. J'aime mieux le terme bio-inspiration. Biomimétisme, ça veut dire imiter la nature. Bien. Bio-inspiration, c'est d'essayer de comprendre comment marche la nature pour faire comme elle, mais pas ce qu'elle fait. Donc, par exemple, dans le cas qui m'intéresse, je travaille sur le verre. Le verre, vous connaissez, c'est un matériau qu'on utilise couramment, mais qui est fait dans des verreries. Il faut chauffer, fondre le sable entre 1000 et 1500 degrés. Donc, et toute la technologie verrière depuis l'invention du verre il y a à peu près 5000 ans est basée sur le feu, sur la maîtrise du feu. Si vous regardez les micro-organismes, il y a des micro-organismes marins en particulier qui se protègent par une carapace, comme un coquillage, mais cette carapace est en verre. Bien évidemment, le micro-organisme le fait à température ambiante dans l'eau. Donc la question de bio-inspiration, c'est comment font ces petites bêtes, d'ailleurs ce n'est pas des bêtes, c'est des micro-algues, comment font ces micro-algues pour fabriquer une carapace en verre dans ces conditions-là. Donc on a étudié, on a trouvé comment, et c'est maintenant des procédés qui sont connus sous le nom de procédés Solgel et qui ont un développement industriel important. Vous viendrez voilà peut-être une autre fois nous reparler de ça. Oui, je peux revenir vous parler de ça. Mais c'est vrai que franchement, ce thème, quand vous nous avez dit la couleur des peintures rupestres à l'écran plat, ça nous a intrigués. On s'est dit, il faut vraiment qu'ils viennent nous parler de ça. Donc on va vous écouter maintenant. On va écouter votre conférence. Et puis si on n'a pas tout compris, ben, on vous posera des questions à la fin de cette conférence. Juste okay. Un petit mot pour dire que la bibliothèque de Rennes Métropole, la bibliothèque des Champs Libres, et plus particulièrement le troisième étage, qui est consacré aux sciences et aux techniques, a préparé une table, comme d'habitude, avec le thème de cette conférence, sur le thème, avec des livres sur le thème de cette conférence. Et donc, on nous en a juste prêté deux pour vous dire que c'est bien d'aller les découvrir. La chimie est là. Le génie au service de l'homme, vous les connaissez tous ces livres, d'autant que vous en avez fait la préface de l'un, de celui-ci, de celui de Bernard Valeur, qui s'intitule La couleur dans tous ses états. Éclat. Voilà, ma langue a fourché, pardon. Bon, eh ben, on va vous écouter donc, et okay. Puis on se retrouve tout de suite après pour les questions. Merci de votre attention, je pense qu'on va apprendre de belles choses, et j'ai vu les images, vous allez voir, elles sont très, très belles. Merci à vous d'être ici avec nous. Bien. Donc, je vais parler de la couleur des peintures rupestres à l'écran plat. Alors, pourquoi ? La couleur, c'est ce que j'appelle une aventure humaine. C'est-à-dire, c'est une des premières manifestations de l'intelligence humaine de l'Homo habilis. Quand vous remontez à la préhistoire, disons qu'il y a deux manifestations humaines, le silex taillé, la pierre taillée, et les peintures rupestres. Alors, les peintures rupestres, vous voyez pourquoi ? Ça, ce sont des carrières d'ocre, c'est magnifique, c'est un pigment naturel. Donc évidemment, l'idée de l'homme préhistorique, c'était d'utiliser cette terre d'ocre, la mélanger avec de l'eau pour faire une espèce de bouillie, de pâte, et de projeter pour faire les peintures rupestres les plus anciennes que l'on connaisse, qui sont simplement l'empreinte ici de la main. Alors les peintures rupestres, bien sûr, ont évolué. Vous voyez qu'il y a des couleurs qui sont dans les jaunes ocre, c'est bien sûr le pigment naturel. Vous avez aussi du noir qui est dû à du noir de charbon, etc. Et bien sûr, à court du temps, la maîtrise de la couleur s'est améliorée. Alors la maîtrise de la couleur s'est améliorée. Ce qui est intéressant, c'est que souvent à une civilisation est associée une couleur. Alors je ne parle pas du foot et de l'équipe des Bleus, etc. Hein. Je parle de la civilisation au sens large du terme. Et par exemple, la civilisation égyptienne est caractérisée par ce qu'on appelle le bleu égyptien. Le bleu avait une signification mystique, qui représentait le souffle divin. Et ce qui est intéressant, c'est que ce bleu est le premier pigment synthétisé par l'homme. Alors synthétisé par l'homme, c'est-à-dire que les Égyptiens ont pris de la silice, donc du sable, de la chaux, un minerai de cuivre, ils ont chauffé tout ça et ça donne une espèce de composé qu'on appelle cuprovirovite, enfin peu importe, qui est bleu.
et qui a comme principal intérêt que c'est évidemment beaucoup moins rare et moins cher à utiliser que la pierre bleue naturelle qui était à l'époque le lapis lazuli. Donc ce bleu égyptien qui s'est répandu dans toute la Méditerranée est vraiment une signature de la civilisation égyptienne. Vous avez ensuite les Romains, par exemple. Les Romains, la signature, c'était la couleur pourpre, pourpre qui était réservée à la couleur de l'empereur. Et cette fois-ci, le pigment naturel qui était utilisé, c'était le sulfure de mercure, le cinabre. Et puis, si on va au Moyen-Âge, les enluminures du Moyen-Âge, c'était la teinte bleue, le bleu pastel, qui cette fois-ci est tiré d'une plante. Et toutes les enluminures du Moyen-Âge sont caractérisées par cette couleur bleu pastel. Pastel, c'est donc une plante, on prend les feuilles, on les fait macérer, ça fait une espèce de pâte, et cette pâte, on en fait des boules que l'on laisse sécher au soleil. Ces boules, ça s'appelle des coques, voire des cocagnes, d'où le nom de pays de cocagne, le sud de la France, Languedoc, etc., où l'on cultivait ces plantes-là. Et on arrive au 19e siècle, donc il n'y a pas tellement longtemps, et au 19e siècle, on disposait de quelques dizaines de colorants naturels. Alors naturels, soit parce qu'ils étaient extraits des plantes, comme l'indigo, de minerais, comme le lapis lazuli ou le cinabre de tout à l'heure, voire même d'animaux, comme le murex, c'était la civilisation de Tyr, avec le pourpre. Et c'est au 19e siècle qu'apparaît la véritable révolution dans le domaine de la couleur. Révolution, bien sûr, comme je suis chimiste, c'est parce que c'est de la chimie. Et c'est la chimie, c'était la synthèse de la mauveïne par Henri Perkin. Henri Perkin, en fait, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il a loupé sa manip. Ce qu'il voulait faire, c'était synthétiser la quinine, bien sûr, pour lutter contre le paludisme, qui était extrait d'un arbre, le quinquina. Et alors, il a voulu en faire la synthèse chimique, et par analogie, il s'est dit, en partant d'aniline et en modifiant chimiquement cette aniline, je devrais obtenir de la quinine. En fait, la manip n'a pas marché. Il a obtenu un affreux précipité noir que tout le monde aurait jeté à la poubelle en disant « manip foutu ». Mais en fait, il s'est aperçu que ce précipité noir pouvait se dissoudre dans l'alcool et donner une coloration mauve qui n'était pas laide et qui, si on imprégnait un tissu, donnait un tissu mauve. Et il a eu la chance que ce mauve, cette couleur mauve, est devenue très vite très à la mode. Vous voyez que la robe de la reine Victoria était en mauve, etc. Et donc, en quelques mois, il a monté sa boîte de synthèse et il a lancé la synthèse d'un colorant qui était la mauveïne. Alors ça, c'est en fait très important. Alors mauveïne, parce que ça a donné l'idée aux chimistes de développer la synthèse de colorants, comme par imitation, colorants naturels. Alors par exemple, la garance, c'est ce rouge qui est ici, c'est issu d'une plante, et là, c'est la synthèse de l'alizarine qui a donné cette coloration-là. En 1897, la synthèse de l'indigo. Donc, vous voyez, au 19e siècle, la deuxième partie, il y a eu progressivement la synthèse de nouveaux colorants. Alors ça, c'est en fait tout le départ de l'industrie chimique mondiale, mais en particulier de l'industrie chimique allemande. Et vous avez ici von Bayer, qui a été prix Nobel de chimie en 1905 pour la synthèse de l'indigo, et qui était à l'origine de la compagnie qui est encore bien vivante, la BASF. Mais bien sûr, corrélativement, puisqu'on fait les pigments, les teintures par synthèse, il n'y a plus besoin de faire des plantes, et ça a été la ruine de tous les paysans du Languedoc. Donc, il y a un aspect qui est mauvais. Mais il y a un autre aspect qui est intéressant aussi, c'est que ça a été la naissance de la chimiothérapie. Alors pourquoi? Ça, c'est le prix Nobel de Paul Ehrlich, Nobel de médecine en 1908. C'est d'utiliser ces colorants, non pas pour faire de la teinture de tissu, mais comme médicament. Or, comment ils s'en sont aperçus? Simplement, quand vous faites des coupes au microscope et que vous voulez voir, par exemple, une cellule ou une bactérie, des choses comme ça, vous faites une coloration. Et ils sont aperçus que certains des colorants avaient pour effet de tuer la bactérie. D'où l'utilisation comme antibiotique. C'est donc cette idée. Et en particulier, la synthèse du bleu de méthylène contre la malaria, du salvarsan contre la syphilis, etc. Donc, le développement de tout un tas de pigments, entre guillemets, mais pour des utilisations médicale. Et maintenant, au 20e ou 21e siècle, c'est des milliers de colorants synthétiques dont on dispose pour tout un tas d'applications. Donc on va dire, l'aventure de la couleur, c'est fini. Maintenant, on a une palette de couleurs énorme, on peut faire tout ce qu'on veut. En fait, ce n'est pas fini, parce qu'aujourd'hui, au siècle de l'image, la couleur, c'est encore, c'est ce que j'appelais les écrans plats, c'est encore une nouvelle révolution. La couleur devient électronique, et vous avez dans tous les magasins maintenant une foule d'écrans plats avec des dispositifs variés. Donc vous voyez que la couleur repart
mais dans un autre domaine, ce n'est plus de la chimie, c'est de l'électronique. Alors la question qu'on peut se poser, mais en fait, qu'est-ce que c'est la couleur? Alors qu'est-ce que c'est la couleur? Vous avez ici un perroquet, vous connaissez bien, mais je le regarde la nuit, ça c'est le clair de lune. Et la nuit, il y a un vieux dicton français qui dit « La nuit, tous les chats sont gris ». Il n'y a pas de couleur. Vous voyez du gris plus ou moins foncé, et c'est tout ce que vous voyez. Pour voir une couleur, il faut éclairer. Il faut être au soleil, il faut être avec une lumière blanche. C'est-à-dire que la couleur naît de la lumière. Alors ça tombe bien, puisque cette année, c'est l'année de la lumière. L'exposé tombe justement. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de couleur sans lumière. C'est-à-dire que... Et deuxième point important, la couleur n'est pas une propriété intrinsèque. Vous pourriez dire, voilà l'alexandrite. C'est une pierre précieuse, hein, avec le colorant qui est dû au chrome, mais elle est verte. Donc vous allez me dire, la couleur de cette pierre est verte. Pas du tout. Si je l'éclaire maintenant avec une lampe à incandescence, elle est rouge. Donc ça n'est pas une propriété intrinsèque de la matière, qui est assez surprenant. Hein, on peut penser que votre pullover rouge, il est rouge. Non, il est rouge parce que vous l'avez éclairé d'une certaine façon. Et donc, c'est ce binôme, hein, cette interaction entre la lumière et la couleur. Donc, si vous voulez, si on veut comprendre la couleur, il y a trois partenaires. Il y a l'objet, cette pomme est rouge. Mais il faut qu'elle soit éclairée, sinon vous ne la voyez pas rouge. Et bien évidemment, il faut qu'il y ait votre œil. S'il n'y a pas votre œil, si vous êtes aveugle, vous ne voyez pas la couleur. Donc, c'est typiquement un jeu à trois partenaires. Et vous ne pouvez pas comprendre si vous ne regardez pas les trois partenaires. Alors, je ne vais pas parler beaucoup de l'aspect œil, de l'aspect physiologique, mais c'est très important, parce que l'œil reçoit l'image, donc la couleur, sur la rétine, transmet cette information par le nerf optique au cerveau, et c'est le cerveau qui va analyser la couleur. Et là, bien sûr, vous n'allez pas voir la même chose selon que vous êtes un homme ou un chat, selon que vous êtes daltonien ou pas daltonien. Et je suis sûr que la couleur de cette pomme rouge que je vois, vous ne la voyez pas comme moi. Alors ça pose un problème. Ça pose un problème parce que si on veut faire de la science, ben, il faut pouvoir mesurer la couleur. Il faut pouvoir avoir une mesure quantitative. Il faut pouvoir dire rouge, ça vaut tant. Bleu, ça vaut tant. Tant que je ne serai pas capable de mettre un chiffre derrière une couleur, je ne pourrais pas vraiment raisonner. Donc la question qu'on peut se poser, c'est comment mesurer la couleur. Alors heureusement, il y a un dénommé Newton qui est venu au XVIIe siècle et qui a montré que la lumière blanche, la lumière du soleil, si on la fait passer par un prisme, elle est décomposée avec l'arc-en-ciel, les sept couleurs de l'arc-en-ciel. Donc ça veut dire, et ça c'est très important, c'est que la couleur, ce n'est pas l'objet, c'est la lumière qui transporte la couleur. Et l'ensemble des couleurs de tout l'arc-en-ciel, ça vous donne du blanc. Mais il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel derrière. Alors un point important, c'est la couleur et musique. Alors, pourquoi il y a sept couleurs dans l'arc-en-ciel? Si vous regardez, il n'y a pas sept couleurs. Est-ce que vous arrivez à distinguer ici, qu'est-ce que c'est? C'est rouge, c'est jaune, c'est orange, c'est quoi? En fait, on a dit, ou Newton a dit, il y a sept couleurs, simplement par analogie avec les sept notes de la gamme. Couleur et musique. Sept notes dans la gamme, donc on va dire qu'il y a sept couleurs dans l'arc-en-ciel. Alors vous allez me dire, bon, c'est joli, c'est de la poésie. C'est mieux que ça. Parce qu'à partir du moment où on fait cette analogie, une onde acoustique, la musique, on sait ce que c'est. Moi, je joue de la guitare, je sais que quand je fais vibrer la corde, ça donne une musique, une note. Et donc, c'est une vibration, c'est une onde qui vibre. Donc on va se dire, ben, la lumière, c'est pareil. La lumière, c'est une onde optique, pas acoustique, optique. En termes un peu plus savants, une onde électromagnétique. Bon, je ne vais pas plus développer, mais c'est donc un phénomène ondulatoire. Alors là, c'est gagné. À partir du moment où on dit que c'est un phénomène ondulatoire, il y a des mesures. Il y a mesure que la longueur d'onde, ben ça c'est une vague, hein, voyez, c'est une onde. Ben, vous voyez qu'au bout d'une certaine distance, lambda, l'onde se reproduit identiquement à elle-même. C'est la longueur d'onde, et cette longueur d'onde mesure la couleur. Et l'arc-en-ciel, ça va de 0,8 micron, le rouge, à 0,4 micron, le violet. Donc maintenant, derrière chaque couleur, je peux mettre un chiffre. Je peux même en mettre deux. Et ça, c'est aussi très intéressant, parce qu'une onde optique, c'est aussi une énergie. Quand vous allez au soleil, vous êtes chauffé par le soleil. J'ai représenté ici un four micro-ondes. C'est les micro-ondes, qui sont des ondes optiques, qui chauffent. Et donc, c'est une énergie.
Alors comment mesurer l'énergie d'une lumière ? Ben, c'est toujours le phénomène ondulatoire, mais cette fois-ci, au lieu de regarder la distance, la longueur, je regarde le temps. Donc je me mets ici, si vous voulez, je prends mon chronomètre et je regarde combien de fois la bosse passe par seconde. C'est ce qu'on appelle la fréquence de la lumière, du rayonnement. Hein. C'est la fréquence, c'est le nombre nu qui est là. Et derrière cette mesure de fréquence se cache une énergie, c'est la constante de Planck, c'est E, l'énergie est égale à H nu. L'énergie. Alors pour ceux qui sont très savants, c'est intéressant parce qu'une mesure dans l'espace des longueurs, des distances, et dans l'espace des énergies, c'est les espaces duals de la mécanique quantique, pour ceux qui sont très savants. Hein. Pour les autres, ce n'est pas grave. Et dans le domaine qui nous intéresse de l'énergie, eh bien, le rouge, c'est 1 électronvolt, et le violet, c'est 3 électronvolts. Donc, on a maintenant des mesures qui permettent de faire de la science et de mesurer la couleur. Alors, ce qui est encore peut-être plus intéressant, c'est que ce phénomène n'est pas limité à ce qu'on appelle la couleur. Il va depuis les ondes radio, Radio Luxembourg, Europe numéro 1, dont la longueur d'onde est de l'ordre d'un millier de mètres, du kilomètre, jusqu'au rayonnement gamma, les rayonnements nucléaires, dont la longueur d'onde est de l'ordre de 10 puissance moins 12 mètres. Vous voyez qu'il y a 10 puissance 15 ordre de grandeur. Et tout ça, c'est le spectre électromagnétique, c'est pareil que la couleur que l'on voit avec nos yeux. La seule chose, c'est que notre pauvre petit œil, qui est un instrument relativement limité, bah, il ne voit que 4 dixièmes de micron dans cette gamme-là, dans une gamme qui est beaucoup, beaucoup plus large. Bon, enfin, bien évidemment, on va s'intéresser ici qu'à ce que l'œil, ou du moins l'œil humain, est capable de percevoir. Alors maintenant, comment on peut expliquer la couleur ? Alors vous voyez, j'ai un vase qui est rouge ici. Hein. Je l'éclaire avec de la lumière blanche. Donc la lumière arrive, avant d'arriver dans le vase, elle est blanche. C'est trop tôt, il ne s'est rien passé. Une fois qu'elle sort de l'autre côté, elle est rouge. C'est trop tard, c'est fait. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le phénomène couleur apparaît au moment où il y a le choc, où l'onde entre en collision, entre dans la matière. Il se produit un choc entre l'onde, on peut dire le photon, pour ceux qui sont un peu plus savants, et les atomes ou les molécules de la matière. Et c'est au cours de ce choc qui dure 10 puissance moins 6 secondes, enfin très peu de temps, c'est au cours de ce choc que tout se passe. Donc il suffit de regarder ce qui se passe pendant ce millionième de seconde, je dis millionième, je ne sais pas exactement, enfin un temps extrêmement court. Alors qu'est-ce qui peut se passer ? Il se peut se passer que vous avez d'un côté de la lumière, qui transporte de l'énergie, et de l'autre côté, la matière. Qu'est-ce que la lumière peut échanger avec la matière ? Comme la plus belle fille du monde, elle ne peut donner que ce qu'elle a, c'est-à-dire de l'énergie. Donc, soit les deux partenaires, lumière, matière, échangent de l'énergie, soit ils n'en échangent pas. En termes savants, c'est des chocs élastiques et des chocs inélastiques. Alors, dans le cas où ils n'échangent pas de lumière, se cache toute une famille de colorants qu'on appelle les couleurs physiques, dont je vais parler. Et dans l'autre cas, les chocs inélastiques, où il y a un échange d'énergie entre les deux partenaires, donc où l'échange d'énergie n'est pas nul, ce sont les couleurs chimiques, dont je vais évidemment parler. Mais tout de suite, il y a deux catégories. Alors, les couleurs physiques, j'en donne quelques exemples. Ici, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, vous avez la lumière qui arrive et qui va traverser la matière. Il y a deux phénomènes qui vont se produire. Un premier qui me paraît à peu près évident, c'est que la lumière, qui a une certaine vitesse, 300 000 km par seconde dans le vide, quand elle va entrer dans la matière, elle va être ralentie. Donc la vitesse de la lumière diminue. Derrière ce phénomène-là se cache la réfraction et la dispersion. Et puis l'autre phénomène, ben, elle est déviée. À cause des chocs sur les atomes, elle part dans toutes les directions, et ce qu'on appelle la diffusion. Alors, premier phénomène, la réfraction, la vitesse de la lumière dans la matière, du verre, de l'eau, peu importe, est inférieure à la vitesse de la lumière dans le vide, et le rapport des deux, c'est ce qu'on appelle l'indice de réfraction. Je ne vais pas développer, mais c'est toute l'optique géométrique, les lois de Descartes, etc. Deuxième phénomène derrière cette affaire-là, c'est que cet indice, cette vitesse de la lumière, dépend de la longueur d'onde, de l'énergie de la lumière, et de ce fait, elle n'est pas déviée, toutes les longueurs d'onde ne sont pas déviées de la même façon, et bien c'est l'arc-en-ciel, c'est le prisme, c'est ce qu'on appelle la dispersion. Plus intéressant, le deuxième point. Deuxième point, la diffusion de la lumière. Alors ça va dépendre maintenant de la longueur
d'onde de la lumière par rapport à la taille des objets. Alors, si les objets sont tout petits, c'est par exemple les molécules de l'atmosphère. C'est ce qu'on appelle la diffusion de Rayleigh, et à ce moment-là, c'est le bleu qui est diffusé de façon préférentielle. D'où la couleur bleue du ciel, d'où le fait que quand on voit la Terre depuis l'espace, eh bien, c'est ce qu'on appelle la planète bleue. Si les objets deviennent plus gros, par exemple des gouttelettes de pluie, eh bien, c'est la diffusion de Mie, peu importe les noms. Hein. Donc les objets maintenant ont à peu près la dimension de la longueur d'onde, eh bien, on a ce phénomène de diffusion, c'est le brouillard, ce sont les nuages qui sont ici. En termes d'application, ben c'est par exemple les vitraux céramiques, c'est-à-dire quand on fait cristalliser des petits grains à l'intérieur d'un verre, ça donne de l'opalescence. Et donc c'est ce phénomène-là. Et puis troisième point, si la dispension des objets matériels devient grande par rapport à la longueur d'onde de la lumière, ben ça ne passe plus du tout. C'est toute la différence entre un verre et une céramique. Alors, verre ou céramique, si on a une céramique, une poterie, donc avec des grains qui sont relativement gros, eh bien, ce que l'on va voir, ce n'est pas la lumière qui traverse, puisqu'elle ne peut plus traverser, c'est la lumière qui réfléchit, qui repart. Et cette lumière réfléchie va donner, si la surface est rugueuse, un aspect mat. Donc vous avez tous vu des poteries, les poteries, c'est mat. Par contre, ça peut devenir brillant si la surface est lisse. C'est ce qu'on appelle la réflexion spéculaire. C'est un terme un peu savant, mais vous avez tous vu un paysage qui se réfléchit dans une mare d'eau qui est calme. Ben, c'est exactement ça qui se produit. Alors, quel est l'intérêt de cette affaire-là, ou du moins l'application de cette affaire-là dans le domaine des matériaux? Ben, c'est typiquement tout ce que sont les poteries vernissées. Alors, voilà une poterie, je dirais, brute de fabrication. Elle est rugueuse, elle est mate. Et on a souvent tendance à mettre à la surface un revêtement qui est lisse, qui est un verre, qui est un revêtement vitreux en général, ce qu'on appelle une glaçure, qui a pour effet d'une part d'avoir un aspect optique beaucoup plus satisfaisant, plus joli, et puis surtout d'imperméabiliser, donc pour faire des poteries. Et ceci s'est obtenu en faisant la poterie d'un coup, et puis ensuite on met dessus une glaçure, une couche qui va devenir vitreuse et qui donne cet aspect brillant. Alors là, il y a un point qui est un peu particulier, qui n'est pas inintéressant. Ce sont les nanoparticules métalliques. Je vous ai dit que les dimensions étaient importantes. Et ça, je reporte sur les travaux d'un alchimiste du XVIIe siècle, Cassius, qui sont les solutions d'or colloïdal. C'est-à-dire que si vous prenez un sel d'or et vous le réduisez, vous avez une solution colloïdale, c'est-à-dire des toutes petites particules d'or. Et cette solution colloïdale a l'aspect, a une couleur rubis foncé, une très jolie couleur. Et on a utilisé ça depuis pas mal de temps déjà, pour faire ce qu'on appelle des verres rubis. Alors vous voyez des verres rubis, c'est ce rouge très intense que vous avez par exemple dans les vitrailles de la cathédrale de Chartres, Notre-Dame de la Belle Verrière. Le rouge qui est ici, c'est dû à des petites particules d'or, des nanoparticules d'or dispersées dans le verre. Pareil pour ce flacon de parfum ici, de Guerlain, et pareil pour ce vase antique. C'est-à-dire que ces nanoparticules d'or, on sait les faire depuis des siècles. Alors, ce n'est pas très difficile à faire. Dans le verre fondu, on met des sels d'or, on refroidit, le verre n'est pas coloré, donc les atomes d'or n'ont pas d'influence. On fait un recuit, on chauffe par exemple vers 560 degrés pendant quelques minutes ou quelques heures, et on voit apparaître une coloration rouge rubis. C'est simplement que les atomes d'or ont diffusé. Et deux atomes d'or qui se rencontrent, c'est comme deux gouttes d'eau qui se rencontrent, ils vont s'associer et ça va faire grossir progressivement. Et ça permet de faire des verres rubis, des verres avec cette couleur rouge. Et si on fait dans un gradient de température, c'est le flacon de parfum qui est ici, on peut avoir un gradient de coloration depuis du jaune clair jusqu'à du rouge foncé. Encore, pour venir sur les choses anciennes, les lustres abbassides. C'est-à-dire, c'est les poteries vernissées avec une glaçure, mais avec cet aspect un peu lustré, qui sont tout à fait particuliers. Et là, c'est dû au fait qu'on associe la couche brillante, le lustre, la glaçure, avec des nanoparticules d'or ou de cuivre. Ça coûte moins cher et ça a un effet à peu près semblable. C'est-à-dire qu'on met sur la poterie une couche d'un sel d'argent, de cuivre ou d'or que l'on cuit en atmosphère réductrice et ça fait cet aspect-là. Alors, ça fait des céramiques qui sont très jolies. Alors, je vois par exemple ici la mosquée de Kairouan, allusion
le pays Tunisie, où vous avez des carreaux qui ont été colorés de cette façon-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'une part, ça fait des jolies couleurs, mais selon l'angle sous lequel vous regardez, vous voyez comme ceci ou comme cela. Et il suffit de changer d'angle de vision pour que le carreau apparaisse avec une couleur différente. Donc, ça a des propriétés tout à fait particulières. Un exemple très joli aussi, c'est cette coupe de Lycurgue, qui est une coupe romaine, donc 4e siècle après Jésus-Christ. Alors, cette coupe-là, c'est du verre, avec des petites particules d'or à l'intérieur. Si vous regardez en réflexion, c'est-à-dire j'éclaire ici, elle est verte. Mais si vous mettez la lampe à l'intérieur, en transmission, elle est rouge. Et il suffit de changer pour que ça change de couleur. Donc vous voyez qu'on peut avoir des effets optiques tout à fait intéressants. Un cas particulier de la diffusion, qu'on appelle la diffusion cohérente. Alors la diffusion cohérente, c'est typiquement les plumes du paon. C'est simplement que maintenant, il y a une vraie relation mathématique entre la longueur d'onde, la longueur de la lumière, et la taille, les distances dans la matière. Alors, c'est typiquement ce que vous connaissez comme étant la loi de Bragg, la diffraction des rayons X. Il y a une relation entre la longueur d'onde des rayons X, qui est de l'ordre de l'angström, et les distances entre atomes dans un cristal, qui est de l'ordre de l'angström. Et vous savez que ça permet de remonter à la structure du cristal. Alors, si c'est un monocristal, on a un diagramme de diffraction, mais si c'est avec un rayonnement monochromatique, si c'est de la lumière blanche, on a de l'iridescence. Et c'est cette iridescence qui donne la couleur de particulière, l'aspect nacré. Bah, par exemple, des nacres. Les nacres, c'est des couches d'aragonite, de carbonate de calcium, séparées par des couches de protéines, et l'écart, c'est de l'ordre du dixième de micron, c'est-à-dire de l'ordre de grandeur de la lumière. Vous pouvez utiliser ça, je dirais, commercialement. C'est pour faire quand vous mettez une crème, je crois que ça s'appelle le gloss, hein, je ne suis pas très doué en truc, ça donne un aspect un peu particulier, et c'est nacré, et c'est utilisé comme en cosmétique, vous voyez même sur le crème. C'est aussi utilisé pour la carrosserie de cette voiture. Cet aspect un peu nacré, c'est dû à des petites particules de mica qui sont là. C'est aussi le cas des opales. Les opas, ce n'est pas des couches, mais c'est maintenant des petites sphères de silice dont le diamètre est de l'ordre de quelques dixièmes de micron, là encore de l'ordre de grandeur de la lumière et par conséquent des effets d'iridescence. C'est le cas des ailes de papillon, avec ce bleu iridescent. Si vous regardez la raison, c'est simplement dû à la structure des ailes de papillon. Elle est faite d'écailles. Les écailles donnent des raies et dans les raies, il y a des cuvettes. Et l'écart entre ces cuvettes, eh ben, c'est justement encore du domaine du dixième de micron. Pareil pour la couleur bleue de ces perroquets que j'avais photographiés lors d'un colloque au Brésil. Donc vous voyez les couleurs physiques. Vous voyez que si vous regardez la structure de l'aile, il y a des petites cuvettes. Et c'est cette structure qui est responsable de la coloration. Deuxième grande famille, les couleurs chimiques. Ça, c'est à Marrakech. C'est à Fès, les teinturiers. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Maintenant, il y a un échange d'énergie entre la lumière et l'objet. Alors, voilà un vase qui est violet. La lumière qui arrive avant, elle est blanche. Après, elle est violette. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Mais c'est simplement la lumière blanche, donc l'arc-en-ciel. Le vert, ici, est absorbé par le récipient et il ne passe que le bleu et le rouge. Bleu plus rouge, pour l'œil, ça va donner du violet. Donc, ça veut dire qu'une partie du spectre solaire est absorbé par le matériau. Alors, c'est absorbé par le matériau pour quoi faire ? Ben, simplement pour susciter, engendrer des mouvements au sein de la matière. C'est pareil que quand vous mettez de l'essence dans votre voiture, vous faites brûler l'essence, vous consommez l'énergie pour faire avancer la voiture. Là, vous consommez l'énergie de la lumière pour faire bouger quelque chose à l'intérieur de la matière, de l'objet qui va être coloré. Alors, les mouvements au sein de la matière sont très larges, hein, comme le spectre électromagnétique, les spins, c'est l'imagerie médicale, par exemple de RMN médical, les micro-ondes, l'infrarouge, c'est les fours micro-ondes infrarouges, de ce côté-ci, c'est les rayonnements gamma, et dans le domaine, là, toujours, qui nous intéresse, c'est-à-dire du visible, qu'est-ce qui bouge ? Ce sont les électrons. Donc, il n'y aura de couleur que si, dans l'objet que vous fabriquez, les électrons peuvent bouger. S'ils ne bougent pas, pas de couleur. Alors comment les électrons, quels sont les mouvements possibles pour un électron ?
Ben, le mouvement de l'électron autour de son noyau. Un atome, c'est un noyau positif avec des électrons qui tournent autour. Deuxième type de mouvement, ben, un peu plus large, c'est sur l'ensemble des noyaux, sur l'ensemble d'une molécule. C'est les teintures organiques. Troisième type de mouvement, encore plus grande amplitude, c'est sur une chaîne d'atomes. Donc plus le mouvement va être de grande amplitude, et puis les colorations vont en être différentes. Alors on va regarder ça un petit peu. Premièrement, l'électron gravite simplement autour de son noyau. C'est tout ce qu'on appelle c'est tous les pigments qui sont utilisés dans le domaine des céramiques et des verres, les pigments minéraux. Alors là, bon, la seule chose que je vous demande de savoir, c'est à peu près comment est fait un atome. C'est l'atome de Bohr. C'est un noyau positif et des électrons qui tournent autour. Pour mieux faire comprendre, je prendrai l'image de la Terre avec un satellite qui tourne autour. Et donc, les électrons vont graviter sur des orbites comme le satellite. Alors, ces orbites, il y en a plusieurs qui sont sur les couches, qui s'éloignent progressivement du noyau. Et selon la taille de la couche, on peut mettre plus ou moins d'électrons dedans. Alors, ce qui va se passer, c'est simplement la chose suivante. L'énergie de la lumière va être récupérée par l'atome pour changer d'orbite. C'est comme le petit moteur auxiliaire que vous mettez sur un satellite pour changer d'orbite autour de la Terre. Et bien, ce petit moteur va vous permettre de changer d'orbite. C'est exactement le même phénomène qui va se produire. Alors, ça se produit dans quel cas ? Ben, voici le tableau périodique qui vous donne tous les éléments de la chimie. Et ça se produit typiquement dans ce domaine-là que vous voyez, c'est les métaux classiques que l'on connaît bien, chrome, manganèse, fer, cobalt, nickel, etc. Alors pourquoi là ? Ben là, vous voyez qu'il y a 10 atomes, et ça veut dire qu'on peut mettre 10 électrons dans la même couche. Alors, par exemple, si je prends le titane, titane trivalent, TiCl3, il y a un électron. Ben, s'il y a un électron, il peut passer d'une couche à une autre, il y en a 10. Donc, il y a de la coloration. Par contre, si j'enlève l'électron par oxydation, c'est TiO2. Il n'y a plus d'électron, il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus de coloration. L'oxyde de titane, TiO2, est blanc. Il est même utilisé comme tel pour blanchir les peintures, etc. Même exemple, mais dans l'autre sens du cuivre. Le cuivre monovalent, hein, il y a 9 électrons. 9 électrons, c'est-à-dire qu'il y a une place. Non, pardon, il y en a 10. Il n'y a pas de place, donc il n'y a pas de mouvement. Tout est plein. Donc on ne peut pas bouger. Et par conséquent, c'est blanc. Par contre, si on l'oxyde, on enlève un électron, là, il y a des mouvements possibles, c'est bleu. Donc, vous voyez, c'est assez facile de savoir si ça va être coloré ou pas. Il suffit de regarder si les électrons peuvent bouger. Alors, le cuivre, ben, le cuivre va donner des absorptions dans le domaine du rouge, jaune, ici. Et selon la place de l'absorption, ça va donner du bleu ou du bleu plus du jaune, c'est-à-dire du vert. Et tous les pigments à base de cuivre, ça va être bleu ou vert. Voici quelques exemples. Ben, le bleu égyptien, l'azurite ici. Le vert malachite, le vert véronèse, etc., etc. Donc tous les pigments de la peinture que vous connaissez, bleu ou vert, sont typiquement à base de cuivre. À base de cuivre ou bien de cobalt. Le cobalt donne une teinte bleue encore plus vive, plus intense. C'est le bleu de cobalt hein, qui est ici. Et c'est typiquement le secret des verres vénitiens à Murano. Donc ce bleu extrêmement intense est dû au cobalt et non pas au cuivre. Les faïences de Nevers et encore là les vitraux. Le rouge, c'est des nanoparticules d'or et le bleu, c'est du cobalt. Alors, le pigment, par essence d'origine, c'était les carrières d'ocre. Alors, l'ocre, c'est de l'oxyde de fer. Mais de l'oxyde de fer qui peut être simplement de l'oxyde de fer, auquel cas il est rouge, ou bien de l'oxyde de fer hydraté. Dans le sol, il peut y avoir de l'eau. Et donc, ça peut être de l'oxyde de fer hydraté qui est jaune. Donc, avec ce pigment, ces terres ocre, on va avoir des colorations allant du jaune au rouge. Du jaune au rouge, mais typiquement, vous voyez que pour passer de ce qu'on appelle la goethite, qui est hydratée, à l'hématite, qui est rouge, ben, il faut enlever de l'eau. Comment enlever de l'eau ? Il suffit de chauffer. Donc ça veut dire que si vous prenez des terres ocre, eh bien, vous allez chauffer, et plus vous chauffez, plus vous allez enlever d'eau, et plus vous passez vers des teintes qui vont du jaune clair, pâle, au rouge. Alors ça, c'est un phénomène intéressant qui a été étudié par les chercheurs du musée du Louvre, parce que pour passer du jaune au rouge, il faut chauffer. Donc, il faut maîtriser le feu. Et si vous regardez les peintures préhistoriques, elles vont du jaune au rouge foncé, et bien en analysant le pigment, vous savez à quelle température l'homme préhistorique a chauffé.
Et bien évidemment, plus il a chauffé haut, et plus sa technologie, sa civilisation était avancée. Donc ça permet d'avoir une mesure du degré d'avancement de la civilisation préhistorique. Alors pourquoi si je regarde le fer ferrique, c'est celui dont je viens de parler, et le fer ferreux qui est ici, bien, il y a une différence importante que vous allez pouvoir comprendre facilement. Le fer ferrique, vous avez l'électron qui tourne dans le champ d'un ion trivalent, 3 charges plus. Ici, vous avez un électron qui tourne dans le champ d'un ion bivalent, 2 charges plus. Ben, pour prendre une analogie, c'est un peu pareil qu'un satellite qui tourne autour de la Terre ou un satellite qui tourne autour de la Lune. L'attraction de plus Lune est beaucoup moins forte que l'attraction fer 3 plus Terre. D'accord ? Donc il faudra beaucoup plus d'énergie pour modifier le mouvement d'un électron dans un ion ferrique que dans un ion ferreux. Ferrique, il faut pas mal d'énergie, donc ça va absorber du côté du bleu, bleu-vert, et ça va laisser passer le jaune et le rouge, d'où des couleurs orangé, jaune, rouge, des fers ferriques. Par contre, dans le fer ferreux, il faut beaucoup moins d'énergie, comme si on tournait autour de la Lune, ça absorbe dans le rouge, et donc il va passer du bleu et du vert. Donc on va retrouver des ferreux bleus, verts, et des ferriques jaunes, rouges. Et ça, ben c'est ce que vous voyez ici sur les terres cuites. Je vais passer. C'est typiquement ce qu'on appelle les céladons coréens, c'est-à-dire cette teinte bleu-verte qui est typique d'un traitement. Vous avez fait la poterie, vous avez mis une couche glaçure pour que ça ait cet aspect brillant, dans lequel il y a du fer, et vous faites une cuisson réductrice. Alors réductrice, à cette époque-là, ça veut dire simplement que vous fermez le four et mettez du bois vert. Et à ce moment-là, l'atmosphère est réductrice, le fer ferrique devient du fer ferreux, et vous avez ces magnifiques poteries qui s'appellent des céladons. Intéressant aussi, si vous faites la manip qu'à moitié, alors vous n'allez pas avoir que du fer ferrique, rouge, ni que du fer ferreux, vert, mais vous allez avoir un mélange de fer ferrique et ferreux. Il y a un électron de plus là que là. Et cet électron, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut tourner autour de son noyau. S'il tourne autour du fer ferreux, c'est bleu. S'il tourne autour du fer ferrique, c'est rouge. Mais il peut aussi sauter de l'un à l'autre. Et à ce moment-là, apparaît une couleur noire tout à fait particulière, quand il y a ces deux états d'oxydation. Et ça, c'est tout le génie des poteries grecques, d'arriver à un moment donné à faire une réduction juste de façon toujours pareille avec les fours et en fermant le four. Donc, cette coloration noire. Alors, cette coloration noire, ben, je peux faire la manip devant vous. Enfin, je l'ai filmé. Hein. Vous avez ici un sel de fer ferreux, peu coloré. Un sel de fer ferrique, peu coloré. Ben, je vais simplement verser celui-ci dans celui-là. Et vous allez voir ce qui va arriver. Il va y avoir un précipité bleu intense. Et ce bleu intense, c'est rien d'autre que ce qu'on appelle du bleu de Prusse. C'est-à-dire un composé, peu importe lequel, mais dans lequel vous avez à la fois du fer ferreux et ferrique, et l'électron saute de l'un à l'autre. Et ce saut d'électron donne une couleur bleue, bleu sombre, très intense. Alors ça, c'est utilisé industriellement. C'est le phénomène qu'on appelle l'électrochromisme. Vous prenez un double vitrage et vous mettez une couche... Donc à présent, ce n'est pas des oxydes de fer, c'est de l'oxyde de tungstène, qui n'est pas coloré. Donc c'est transparent. Mais si vous injectez des électrons entre deux électrodes, ben une partie du tungstène 6 va donner du tungstène 5, et à ce moment-là, l'électron peut sauter de l'un à l'autre. Et s'il saute de l'un à l'autre, ça va donner une coloration bleue, bleu-noir, intense. Donc sur un simple signal électrique, ce pare-brise ici, qui est peu teinté, va devenir bleu foncé. Et donc, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des vitrages intelligents. Vous voyez, les Velux ici sont transparents. J'injecte des électrons en appuyant sur un bouton, ils deviennent bleus. J'inverse le champ, il redevient transparent. Donc, c'est des vitrages électrochromes qui peuvent éviter d'avoir à utiliser des rubans, enfin des rideaux et des choses comme ça. Donc, ça, c'est un procédé qui est industriel. Maintenant, on va voir. On est passé l'électron qui tourne autour d'un noyau, l'électron qui saute d'un noyau à l'autre. Ben maintenant, l'électron va se promener sur l'ensemble de la molécule. Or, c'est typiquement ce genre de molécule organique avec des cycles benzéniques, c'est-à-dire que l'électron peut tourner autour de tout ça.
Or, ces deux grandes familles, les anthraquinones et les colorants azoïques, peu importe, mais vous voyez, c'est des formules de chimie organique, pas très compliquées, mais là, l'électron se promène sur l'ensemble de la molécule. Il y a tout un tas de colorants bien connus. Ben, c'est l'indigo, par exemple, j'en ai parlé tout à l'heure, donc qui est extrait des feuilles de l'indigotier, on fait les boules, et c'est cette molécule-là, et ça donne le bleu des chèches des Touaregs, des uniformes là, les bleus des blue jeans, par exemple, est fait avec ceci. Maintenant, c'est des colorants synthétiques. Hein. C'est la garance, extraite de la, c'est l'alizarine, qui est extraite de la, cette plante qui s'appelle la garance, et qui donne ce rouge qui est ici. C'est aussi un autre exemple, un colorant alimentaire, qui est l'acide carminique ici, qui est rose et qui vous donne cette belle coloration rose des glaces à la framboise. Si ce n'est pas coloré en rose, vous trouvez que ce n'est pas bon, c'est blanchâtre, mais en rose, c'est bien meilleur. Alors évidemment, vous allez me dire, non, c'est des colorants chimiques, c'est infect, l'écologie d'abord, j'en veux pas. Non, ce n'est pas chimique, c'est biologique. C'est des colorants biologiques, c'est fait comment? Vous prenez des cochenilles femelles. Vous les faites sécher au soleil et vous les écrasez. Et ensuite, eh ben, ce cochenille écrasé, ça se dissout dans l'eau et ça donne le colorant en question. Donc c'est un colorant biologique qui est parfait pour mettre dans votre apéritif, dans la glace à la framboise, etc. Ce n'est pas de la chimie, c'est bien meilleur. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, là, c'est qu'il faut de toutes petites subtilités chimiques pour changer complètement la couleur. Vous voyez, l'indigo, c'est cette formule-là, c'est bleu. Le pourpre de tir, c'est cette formule-là. La seule différence, c'est que vous avez rajouté deux bromes ici au bout. Et les couleurs sont complètement différentes. Voilà l'indigo, voilà le pourpre de tir. Il faut y faire très peu de chimie pour changer les couleurs. Alors ça, c'est une photo qui est prise dans mon jardin au printemps, bien évidemment. C'est les anthocyanes qui sont, donc des molécules, peu importe, qui sont responsables de la couleur. Là encore, le jeu est très subtil. Quand vous regardez le bleuet, voici la molécule. Le pH de la sève est neutre, c'est un pH de 7. Mais si vous regardez un coquelicot qui est rouge, le pH est légèrement plus acide, et à ce moment-là, il y a un proton qui vient ici, il y a un groupement OH. Cette simple modification chimique fait passer du bleu au rouge. Donc la nature a trouvé un moyen très simple, avec un seul colorant, en changeant simplement très peu le pH de la sève, d'avoir des colorations complètement différentes. Un bon exemple, vous prenez du chou rouge. Vous prenez du chou rouge, c'est rouge. Vous en faites une salade en ajoutant de la vinaigrette. La vinaigrette est acide, ça devient violet. Ça change de couleur. Maintenant, des mouvements d'encore plus grande amplitude. Cette fois-ci, l'électron peut se promener sur toute une chaîne d'atomes. Alors, c'est typiquement ce qui se passe quand on a ce qu'on appelle des doubles liaisons conjuguées. C'est ce qui se passe aussi quand on a des matériaux qui sont des semi-conducteurs. Alors, ce qui est intéressant là, c'est la chose suivante. C'est que simplement, là encore, je fais l'analogie avec la musique. C'est-à-dire que la note que vous obtenez avec votre guitare dépend de la longueur de la corde. Hein, une note grave si la corde est longue, et puis si vous vous rapprochez du chevalet, la corde devient de plus en plus courte, la note devient de plus en plus aiguë. Ben là, c'est pareil. La couleur va être directement liée à la longueur de la chaîne, c'est-à-dire à la longueur de la distance sur que parcourt l'électron. Alors, par exemple, vous avez le jaune safran des moines bouddhistes, c'est cette molécule-là, peu importe, mais il y a simplement cette double liaison. Par contre, le carotène, c'est une molécule à peu près pareille, mais il y a 11 double liaisons, ben, l'absorption va se déplacer vers la droite, ça c'est rouge et ça c'est jaune. Un autre exemple, ce qu'on appelle les nanoparticules, les quantum dots, donc c'est des toutes petites particules, et la couleur de ces nanoparticules est directement liée à la taille. Plus la taille augmente, et plus la couleur passe du bleu au rouge. Vous pouvez refaire toutes les couleurs de l'arc-en-ciel avec la même nanoparticule en changeant simplement sa taille. Ça, c'est très utilisé en médecine, pour faire des sondes fluorophores pour savoir où va se loger tel ou tel médicament ou telle tumeur. Donc là encore, c'est une corrélation directe entre la longueur et la couleur. Pour ceux qui sont des bons musiciens, et si vous avez acheté une bonne guitare, la note que vous faites, le son fondamental, va dépendre de l'endroit du chevalet ici et de l'endroit où vous mettez votre doigt ici. Mais si la guitare est bonne, vous avez tout ce qu'on appelle les harmoniques. C'est-à-dire que la corde ne peut pas vibrer entre ces deux points, mais entre là et là, mais ailleurs, au milieu, elle peut faire tout ce qu'elle veut. Donc vous pouvez avoir des
sous-multiples. Et ça donne un son bien meilleur pour la corde. Et pour la couleur, ça a aussi une conséquence, c'est que ça va absorber, par exemple, voilà, des verres qu'on appelle les verres ambre pour les bouteilles bières, champagne, choses comme ça. Eh bien, vous allez absorber une certaine couleur et tout ce qui est plus petit, c'est-à-dire tout ce qui est dans l'ultraviolet. Par conséquent, ça va protéger le liquide qui est à l'intérieur de la dégradation par les ultraviolets. C'est utile pour du champagne, de la bière et des choses comme ça. C'était aussi le cas des phares jaunes, à l'époque où il y avait encore les phares jaunes, qui évitaient justement les UV de façon à ne pas vous éblouir. Dernier point, la luminescence. C'est-à-dire maintenant, ce n'est pas de la couleur, c'est la matière qui va fabriquer de la couleur, qui va donner de la lumière. J'ai pris comme exemple le feu d'artifice, bien sûr, qui est là. Alors, c'est simplement le phénomène inverse du précédent. Dans le précédent, je fournissais de l'énergie par la lumière et le matériau absorbait l'énergie. Il peut se trouver dans un état qu'on appelle un état excité de haute énergie. Ben là, je fais l'inverse. D'une façon ou d'une autre, je le mets dans un état de haute énergie. Il va relâcher son énergie en émettant de la lumière. Donc, c'est exactement le phénomène inverse. C'est ce qu'on appelle la luminescence. Alors, selon la façon dont vous avez donné de l'énergie, c'est de la thermoluminescence, si vous chauffez, c'est de la photoluminescence, si vous éclairez aux UV, c'est de la bioluminescence, de l'électroluminescence, etc. Par exemple, la bioluminescence, quand vous allez dans les grands fonds de l'océan, plusieurs milliers de mètres au fond de l'océan, le seul moyen qu'ont les organismes à communiquer entre eux, c'est d'émettre de la lumière. Donc, c'est la bioluminescence, qu'on pourrait appeler le langage des ténèbres, et vous avez tout un tas d'organismes qui émettent de la lumière pour se reconnaître, pour éviter les prédateurs. Il y en a un que j'aime bien, c'est celui-là, la baudroie des abysses, parce que vous voyez, un petit lumignon, là, qu'elle éclaire, et donc les proies disent, tiens, ça c'est joli, là, il y a de la lumière, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez ce qu'il y a derrière. Une manip en chimie, pareil, je vais faire une réaction chimique, l'oxydation de cette molécule par l'eau oxygénée en présence du cube. Vous voyez, en mélangeant, ça émet de la lumière. Donc c'est une réaction chimique qui est la source de l'énergie, et c'est très utilisé en criminologie, parce que cette réaction va être catalysée par le fer de l'hémoglobine. Donc s'il y a des traces de sang, qui ne sont pas visibles à l'œil nu, hein, avec un éclairage normal, mais vous pulvérisez du luminol et vous mettez de l'UV, et à ce moment-là, vous voyez les moindres traces de sang. C'est aussi l'exemple des bâtons chimiques. Alors là, normalement, je dois pouvoir faire une manip qui est comme ceci. C'est-à-dire que vous avez un tube, il y a deux tubes avec deux réactifs. Je vais casser le tube, les réactifs vont se mélanger, ça va faire une réaction chimique. Ça va faire une réaction chimique qui, normalement, vous donne de la lumière immédiatement. Donc cette réaction chimique produit de l'énergie qui est relâchée sous forme de lumière. Pareil avec celui-là. Et on peut changer la couleur simplement en changeant la nature du colorant. Vous trouvez ça dans toutes les bonnes boîtes qui vendent des produits pour automobiles. Ça permet, quand vous crevez un pneu la nuit, d'avoir de la... Cette luminescence, 24 heures, ça va durer. C'est pas une seconde. Hein. Je peux laisser le tube ici. Demain, ça sera encore lumineux. C'est bon pour la pêche. Ah peut-être, mais je ne suis pas pêcheur, alors je ne sais pas. Bon. Donc ça, c'est la luminescence. Et ça, c'est ce qu'on appelle des luminophores. Donc c'est des produits minéraux, en général, des sels minéraux, qui ne sont pas colorés. Mais si je les éclaire en UV, ils deviennent colorés et ils vous donnent toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Alors ça, c'est le béaba de la télévision en couleur, bien évidemment. L'écran de télévision... Et il y a une couche de luminophore et l'énergie est fournie par les canons d'électrons. Canons d'électrons. Et bien sûr, maintenant, ce n'est plus cet écran-là, ce sont ces écrans ici. C'est-à-dire que l'on est maintenant au siècle de la communication. La couleur devient électronique, c'est l'écran plat, c'est ce dont j'ai parlé dans le titre. Pour les télévisions, les ordinateurs portables, les smartphones, les tablettes, etc. Donc maintenant, la couleur est électronique. Et c'est ce que j'appelle la course aux écrans plats. C'est-à-dire, si vous regardez un petit peu les journaux, etc., tous les ans, il apparaît un nouveau dispositif d'affichage de couleurs, d'écran de télévision, etc., tous meilleurs les uns que les autres.
les écrans plasma, les écrans à cristaux liquides, les écrans à diodes électroluminescentes, etc. Je prendrai juste l'exemple des diodes électroluminescentes, puisque le prix Nobel de physique de l'année dernière, 2014, a été donné pour l'invention de la diode électroluminescente bleue par ces trois chercheurs japonais. Alors, ces diodes électroluminescentes, c'est quoi ? Ben, c'est simplement deux cristaux de semi-conducteurs, un qui s'appelle N, l'autre qui s'appelle P. Donc, dans l'un, il y a des électrons, dans l'autre, ce qu'on appelle des trous positifs. Vous appliquez un potentiel, les deux particules vont se rejoindre, et à l'endroit où elles vont se rencontrer, c'est-à-dire à la jonction ici, elles vont émettre de la lumière. Donc, c'est un dispositif, je dirais, les diodes électroluminescentes, c'est comme ceci, hein. Et c'est utilisé parce que c'est un moyen très peu coûteux de faire de la lumière pour éclairer la tour Eiffel ici, pour éclairer les tableaux de bord et tous les écrans de télévision à diodes électroluminescentes qui sont répandus dans le commerce. Alors, ce que je voudrais dire quand même, parce que je suis chimiste, la couleur est électronique maintenant, mais la chimie, elle n'a pas encore dit son dernier mot. Elle n'a pas dit son dernier mot parce qu'il y a les diodes organiques, électroluminescentes organiques, les OLED. Et ça, c'est lié aussi à un prix Nobel de chimie de l'an 2000, où on a montré que des polymères, des molécules organiques, avaient des propriétés semi-conductrices, c'est-à-dire que les électrons pouvaient se promener tout le long. Ça veut dire que maintenant... Alors ça a été développé par Kodak, il y a déjà pas mal de temps, hein, publication scientifique ici, et dans des petits dispositifs comme cela. Alors quel est l'intérêt de cette affaire-là ? Ben, l'intérêt, c'est la suivante. Toute l'électronique, jusqu'à présent, était basée sur des cristaux de semi-conducteurs. Donc, ce que j'appellerais de tout solide, hot solid state. Okay, et donc, des choses rigides. Là, maintenant, des molécules organiques, c'est de la matière molle, c'est comme de la peinture. Ça va permettre de développer de l'électronique souple. C'est-à-dire que ça va pouvoir se déposer comme une couche de peinture, par pulvérisation, avec une imprimante. Ça va pouvoir se déposer sur des films flexibles, comme ceci. Donc vous pouvez refaire maintenant toute l'électronique, mais sur film souple et pas simplement sur écran plat. Donc vous avez tout ce que j'appellerais l'électronique souple, vous voyez des cellules photovoltaïques ici, par rapport aux panneaux solaires qu'on voit sur les toits, qui sont souples, une batterie flexible, un écran de visualisation flexible, un smartphone qui est incurvé, on peut même en faire qui sont comme des montres, hein, qui s'attachent comme ceci. Récemment, vous avez dû voir apparaître les électrons de télévision courbes. C'est toujours la même chose, c'est la possibilité de faire des trucs souples, de faire des courbes ici. Et vous voyez, c'est OLED, Organic Light Emitting Devices, par TV, vous ne regardez pas la note. Et vous avez des dispositifs, vous voyez ici, c'est très joli, c'est un écran de télévision, 0,3 mm, et ça se roule et se déroule comme un écran, comme un papier, et la télévision continue à marcher. C'est assez extraordinaire. Hein. Ça, c'est de la couleur chimique. C'est là où je dis que la chimie n'a pas dit son dernier mot. C'est bien sûr des dispositifs d'électronique, mais avec comme matériaux des molécules chimiques, donc qui peuvent s'étaler comme de la peinture. Et ça, c'est mon avant-dernière diapositive. La dernière, c'est pour la couleur. Qu'est-ce que c'est ? Ben, finalement, la couleur, c'est à la fois un art, une science, une technologie. Je pourrais dire aussi de la biologie, puis si je n'ai pas un aisé l'œil. Et je vous remercie pour votre attention. Ah, c'était passionnant. Bravo. Merci pour cette belle présentation, ces belles images. C'est vrai que la couleur, maintenant, quand je la regarderai, je penserai à vous, tiens. Ce qui est intéressant, c'est vous que... Vous ne voulez pas venir avec moi, dit, là ça a des mains... Pardon ? Vous ne voulez pas venir avec moi, là ? Je peux venir. Hein, c'est comme vous voulez. Hein. Oui, je peux. Si je vous fais peur, vous pouvez rester là-bas. Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que quand même, ça s'est développé au tout début de l'humanité, du temps de la préhistoire, avec les grottes de Lascaux, etc., et que maintenant, c'est encore un sujet qui est en pleine actualité, qui est en plein développement, avec une concurrence extraordinaire et des possibilités. J'en parle pas, mais enfin, bon, les smartphones, etc., ça fait tout un tas de choses. Hein. Et c'est quelque chose qui est encore complètement vivant, et qui, en plus, c'est de la physique, de la biologie, de la chimie, de la technologie, etc. Enfin,
toutes les disciplines. Alors vous avez bien fait de dire qu'elle peut s'inscrire, et elle s'inscrit d'ailleurs dans cette célébration de l'année de la lumière, parce qu'il y a deux célébrations cette année 2015, c'est l'année des sols, et puis c'est l'année de la lumière. On a déjà eu une conférence à ce sujet, et c'est vrai que ça s'inscrit, on en aura d'autres. Je vois Marc Brunel qui est en face de moi. On m'a soufflé tout à l'heure qu'il ne fallait plus dire « je suis fleur bleue », il faut dire « je suis anthocyane ». Oui, mais alors ça va dépendre du pH. Hein. Ça va dépendre du pH. Ça peut être rouge. Ah, alors, on m'a trompé. Oui. Mais je crois que les maillots de l'équipe, les bleus, et ça, ils ont eu des maillots rouges à un moment, non? Je crois, hein, il n'y a pas très longtemps. Ben, ça devait être le pH de la sueur qui a dû faire tourner, virer le maillot. Voilà, alors peut-être avez-vous quelques questions à poser à Jacques Livage. Alors dans ce cas, c'est le moment. Vous pouvez nous faire signe et on vous donne le micro. Vous avez été tellement clair que je crois que personne ne va poser des questions ce soir. Et ce serait vraiment la première fois, je vous le dis. Non, pas de questions? Oui, si. Monsieur, on vous donne le micro. Allez-y. On fait venir d'autres. Alors, il y a une chose qui ne me trouble pas, mais qui m'interroge, puisqu'il faut toujours s'interroger pour savoir si on a été aussi loin qu'on le pouvait avec les moyens dont on dispose. Alors la question est simple, est-ce que nous voyons tout ? Avec notre œil ? Avec ce que vous voulez. Alors la question, on voit... Je dirais, depuis les très grandes longueurs d'onde, je pense à l'imagerie médicale, RMN. Donc on voit des images, donc de la couleur, entre guillemets, dans le domaine des ondes radio. On fait de l'astrophysique aussi, avec des ondes hertziennes et des choses comme ça. C'est un mot... Enfin bon, je pense que... Là, ce que je ne sais pas, c'est l'étendue du spectre électromagnétique. Je pense que c'est quand même limité avec les rayonnements gamma et choses comme ça, les rayonnements nucléaires, hein, je pense. Donc ensuite, c'est simplement un moyen de détecter le rayonnement et le cas échéant de le transformer en image. Monsieur demande, est-ce que vous soupçonnez d'autres dimensions? Je répète. Parce que oui, d'autres dimensions. Là, je suis dans un espace à trois dimensions. Hein. Je suis pas passé. Quoique j'ai fait parler de quantique relativiste, hein, tout à l'heure avec les espaces duals. Bon, enfin, je sais pas, là, vous abordez un peu plus la philosophie que la science. Hein. Donc, que notre œil soit très imparfait, c'est sûr. Il y avait quelque chose qui est intéressant, parce que pour nous, la couleur, maintenant, c'est évident, l'arc-en-ciel, etc. Il y a eu des bagarres assez importantes entre, je dirais, la famille, enfin, l'école Newton, et puis un autre à quel on ne pense pas quand on parle de couleur, c'est Goethe. Goethe a écrit un livre sur la couleur qui fait à peu près 1000 pages. Et la dernière parole de Goethe, c'était Mehrlicht, plus de lumière. Et pour Goethe, la lumière, c'était un mélange de blanc et de noir. Ce n'était pas l'arc-en-ciel. C'est noir la nuit, et ça devient blanc à l'aube, et puis, etc. Il y a eu toute une, pendant pas mal de décennies, de bagarres entre, je dirais, la vision poétique de la lumière, de la couleur, et la vision, je dirais, scientifique de Newton. Et là, il y a des choses qui ne seront pas inintéressantes, peut-être un peu plus sur le plan philosophique. Alors, il y a une autre question. Oui, bonsoir. Justement, je rebondis. Vous parliez de trois dimensions, mais en fait, moi, ce qui me ressort, c'est qu'on a énormément de technologies pour représenter et afficher finalement de la couleur en deux dimensions. Et oui. Finalement, on ne sait pas, est-ce qu'un jour, et quelles sont les possibilités pour faire de la vraie trois dimensions, enfin, afficher des images dans les trois dimensions? Là, je ne pense pas que ce soit lié au phénomène couleur en particulier, mais je crois que s'il y a le planétarium là-haut, on doit voir à trois dimensions, non ? Hein ? Donc là, je pense que c'est plus un problème, entre guillemets, technologique qu'un problème de couleur. Hein. C'est le problème d'une image, elle pourrait être noire et blanc en trois dimensions. La couleur n'a pas d'importance là-dedans. Hein.
Et il y avait au Planétarium, je ne sais plus si ça doit être là-haut, hein. Il y a un spectacle qui est superbe à ce niveau-là. Je ne sais pas si c'est là ou au Futuroscope, où on voit les galaxies à trois dimensions, c'est absolument extraordinaire. On sort tôt. Oui. L'intérêt, c'est quatre dimensions. Hein. Faire venir le temps. Une autre question ? Alors là, franchement, je dois dire que vous avez été extrêmement clair, parce qu'habituellement, les questions s'affusent ici. Donc, oui. Ça veut ou dire que vous expliquez trop bien. Ou alors, ils n'ont rien compris du tout. Oh, non. Et puis, ils n'osent pas. Oh, bah, non, il y a les deux possibilités. Hein. Je ne peux toujours. Le croire. Oui, allez-y. Comment les nouvelles technologies font-elles pour afficher toutes les couleurs, parce qu'il y a tellement de teintes de couleurs maintenant dans le spectre qui est rediffusé par les téléviseurs, les nouveaux écrans plasma et autres technologies que vous aviez dit tout à l'heure, parce qu'au départ, la couleur, c'était trois pigments qui étaient éclairés, il y avait le jaune, le vert, le rouge, puis maintenant, on obtient des centaines, voire des milliers de couleurs, voire des millions de couleurs, peut-être, dans tout le détail des couleurs qui peuvent apparaître, quoi. Alors, je n'ai pas abordé ce problème-là. C'est le problème de la trichromie. Oui, au départ, hein, c'est ça. C'est-à-dire oui. qu'avec trois couleurs, RGB, c'est-à-dire red, green and blue, vert, rouge et bleu, on peut reproduire toutes les couleurs que perçoit l'œil. Et je pense que ce n'est pas un hasard, parce que si vous regardez la structure de l'œil, donc de la rétine, la membrane qui est derrière et qui reçoit l'image colorée et qui la transmet en signal. Il y a trois types de bâtonnets qui sont sensibles essentiellement aux trois couleurs, vert, rouge et bleu. Donc je pense que la trichromie, ce n'est pas tellement un problème de physique, c'est plus un problème de physiologie. Notre œil est capable d'analyser l'image colorée avec trois types de bâtonnets, donc trois couleurs. Et ensuite, les subtilités, c'est des mélanges, etc., qu'on appelle les pixels en électronique. Mais je pense que c'est profondément lié à la structure de notre œil. Je veux dire par là que je ne suis pas sûr qu'un chat, un pigeon ou je ne sais pas quel animal voit pareil. Je crois que les chats, d'ailleurs, voient pas mal dans l'ultraviolet, enfin plus que nous. Donc là, il y a vraiment un problème. De toute façon, et c'est ça quelque chose qui est intéressant mais difficile aussi, c'est que la couleur, j'ai dit, il faut pouvoir la mesurer. Dire c'est coloré, j'ai eu cette telle nuance. Alors ensuite, il y a tout un tas, il y a le diagramme trichromique, un classique, je n'ai pas du tout abordé cet aspect-là. Moi, j'avais juste envie de vous poser la question, puisque ce n'est pas dans votre secteur de recherche, normalement, oui. ce genre de sujet, pourquoi est-ce que vous avez choisi celui-là par goût de la beauté, de ses couleurs? Alors, ce n'est pas le seul que j'ai choisi. Hein. Je vous ai dit, le Collège de France, on fait donc tous les ans des cours, et tous les ans, on doit changer de sujet. Ce qui est très brimant, hein, parce que quand vous faites un cours pour la première fois, c'est jamais très bien. Vous sortez en disant « Ah, j'aurais dû présenter comme ça », c'est fini. Vous n'avez plus le droit. Terminé. Bon, donc il faut chercher de nouveaux sujets. Et parmi les nouveaux sujets, la couleur, avec les discussions, etc., m'est apparue comme quelque chose qui était intéressant. Et qui, effectivement, a drainé un public assez important. Alors, ce qui est intéressant aussi au Collège de France, c'est que vient qui veut. Donc, dans le public, j'avais des gens des beaux-arts, des peintres. Mais j'avais aussi des physiciens de l'optique. Hein. Donc, vous voyez, un panel de sensibilité, de culture complètement différent. Et il faut arriver à intéresser tout le monde. Et à l'heure actuelle, quelles sont les recherches qui se font sur ce sujet et où ? Sur la couleur ? Oh ben, il y en a un peu partout. Moi, en particulier, je travaille avec tout un groupe, alors c'est international comme d'habitude, qui travaille surtout sur la biophotonique. Alors, il y a un aspect, ce n'est pas la couleur au sens propre du terme. J'ai parlé de mes micro-algues, les diatomées, qui s'entourent d'une carapace en verre. Alors, ce qui est remarquable dans la nature, c'est que le vivant va vous fabriquer un matériau. Moi, je parle matériau, c'est mon domaine. Un matériau. Et qui doit avoir certaines propriétés. L'être humain, nous, quand on fabrique un matériau, on va optimiser pour une propriété, pour faire un semi-conducteur, pour faire un écran luminescent, pour faire ceci, en changeant la composition, en rajoutant des fifrelins, en faisant ceci et cela. La nature va jouer avec un seul matériau en jouant sur ce que j'appellerais la nanostructure. Alors, je prends l'exemple des diatomées, qui là, c'est mon champ de recherche.
c'est des micro-algues, donc c'est des unicellulaires. C'est fragile, il faut que ça se protège. Ça se fait une carapace. Dans l'eau, une carapace, ben, c'est du carbonate de calcium, c'est des phosphates, c'est des oxydes. Les huîtres, c'est du carbonate de calcium. La plupart des coquillages, c'est du carbonate de calcium. Mais c'est une micro-algue qui doit faire de la photosynthèse. Donc il faut que cette carapace soit transparente, donc un verre, pour que ce soit transparent. Mais en plus, pour faire de la photosynthèse, il faut que ça aille au plus près possible de la surface de l'eau, là où le soleil tape fort. Quand vous êtes au soleil, vous attrapez des coups de soleil. Pareil pour les micro-algues, pour les cellules, il faut se protéger. Et alors là, ces diatomées, ces micro-algues, sont absolument extraordinaires. Elles sont apparues il y a 200 ou 300 millions d'années. Elles ont fait des petits trous. Pourquoi des petits trous ? Ben, pour pouvoir échanger avec le milieu extérieur, le métabolisme, pour pouvoir absorber et rejeter le métabolique, normal. Mais les petits trous, ils ne sont pas placés n'importe comment. Ils sont placés de façon régulière pour faire ce qu'on appelle un cristal photonique. Vous voyez ce que c'est qu'un cristal ? C'est des atomes disposés à passer. Mais là, c'est les trous qui sont disposés de façon régulière, ce qui veut dire que la lumière va se comporter dans cette carapace en verre comme les électrons dans un semi-conducteur. Ça va permettre de filtrer la lumière, d'éliminer les UV. Les diatomées unicellulaires, ça n'a pas de tête, pas de jambes, pas de bras, ont inventé ça il y a 200 millions d'années. Nos physiciens les plus brillants ont découvert cela il y a 10 ou 20 ans. C'est absolument extraordinaire. Quand vous regardez ça, hein, alors quand il y a un élève qui vient faire sa thèse chez moi, je lui dis, bah, tiens, regarde, tu vois la diatomée, tu vois ce qu'elle fait, tu fais comme ça, tu auras ta thèse. Ah, je crois qu'ils ont bien de la chance, vos élèves, d'avoir un professeur comme ça. Eh bien, puisque, apparemment, si, pardon, on vous donne le micro, on arrive. Audrey Court. Ce n'est pas une question, mais puisqu'on arrive à la conclusion, je me permets de le dire. Vous savez que livage, en breton, veut dire résultat de la peinture. Absolument, je ne sais pas. Oh, c'est extraordinaire. Vous êtes sûr ? L-I-V. Liu veut dire peinture. Oui. Et livage, L-I-V-A-J, c'est le résultat de la couleur. Liu veut dire couleur. Donc, il faudrait que je regarde chez les Bretons. Oui. Voilà. Ah bon, je ne savais pas. Merci, merci madame. C'est pour terminer, je trouve que c'est vraiment très bien. Alors, je voulais juste vous dire, avant que nous nous quittions, que la semaine prochaine, nous parlerons de quelque chose de très intéressant et de naturel aussi. L'arsenic. Vous savez, cet arsenic, voilà, Agrippine qui a empoisonné l'empereur Claude et son fils Britannicus. Il y a aussi Marie Bernard, il y a eu des empoisonneuses célèbres. Et même Napoléon, et ben avec voilà. Le verre Véronèse, oui, qui voilà. Est d'arseniate de cuivre. Eh ben, on va parler de l'arsenic la semaine prochaine avec Mélanie Davranche, qui est géochimiste, qui fait partie de l'équipe géochimie des eaux et des interfaces au laboratoire géosciences de Rennes et qui a obtenu la médaille de bronze du CNRS en 2013. Voilà, c'est notre rendez-vous de la semaine prochaine. Merci, grand merci à vous d'être venus ce soir. Voilà, merci à toute l'équipe de l'Espace des sciences qui m'aide à organiser ces conférences. Merci à l'équipe Régie des Champs Libres, Jean-Paul et Jérôme ce soir. Et puis merci à l'équipe vidéo, grâce à qui vous pourrez revoir cette conférence sur le site de l'Espace des sciences, mais aussi donc sur TV Rennes à partir de cette semaine, jeudi, vendredi et dimanche matin. Voilà, bonsoir, à la semaine prochaine et merci de votre attention.